Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche rapide, une pêche d'une matinée. Donc j'ai sorti mes 3 cannes, les Xtreme 900, pour les tester et surtout essayer de faire un premier fish avec. Je peux dorénavant vous dire que c'est chose faite, car j'ai réussi à prendre donc quelques poissons avec un poisson d'exception. Car vous le savez, dans cette rivière, il y a beaucoup de communes et j'ai eu la chance de faire une miroir. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir ma technique de pêche et les départs des poissons. Bon, et bien, première touche au bout d'une heure. C'est la canne avec les deux petites bouillettes en 11 mm N7. Et aussi, donc, premier poisson sur les Xtreme 900. On va comme ça, je pense que ça doit pas être un gros poisson. Niveau sensation, on est vraiment pas mal. Bien le ressenti du poisson. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur des beaux poissons là-dessus. Ah, c'est une petite coco, je crois. Mais c'est poisson quand même. Sachant que c'est des poissons de rivière, donc ils se combattent très bien. Bon, comme tout poisson, je sais que j'ai pas d'obstacle devant, donc je préfère le travailler pour lui tirer sur la gueule. Voilà, on a le temps. Même que ça soit un petit poisson.
poissons, les amis. Bon, une petite coco, mais une petite coco très très belle. Je vais vous faire 2-3 photos avec et je vais la remettre à l'eau. Donc voilà, magnifique petite coco. Prise donc avec deux petites bouillettes en 11 mm N7 de KitKat. Donc je vais la remettre à l'eau. On va espérer prendre une grande sœur. Allez, go! C'est très simple ce que j'ai fait pour ma pêche. Puisque j'ai deux tailles de bouillettes, j'ai 11 mm et 18. Sur une canne, j'ai mis une bouillette en 18 mm, comme ça, simple. La deuxième, j'ai mis une 18 et une 11, ce qui donne un petit bonhomme de neige. Et sur ma troisième, j'ai mis deux petites bouillettes de 11 mm et on verra laquelle déroule le plus. Bien sûr, la bouillette, je ne la présente plus, c'est la dernière sortie, la N7. Je vais vite le remettre à l'eau. Il est énorme. Allez, je vais le mettre à l'eau. Cette fois-ci, chose très rare sur cette rivière, donc une belle miroir dédicace à GG, Captain Carp, une petite miroir de saône magique. Allez, on la remet à l'eau. Les billes font vraiment le taf, hein. Même en rivière, il n'y a pas à faire. Allez, en espérant avoir une grande sœur. Et bien voilà, vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petits poissons et à vous montrer du contenu sur cette rivière. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session.